Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai eu quelques soucis, hein. Je viens juste de faire la vidéo, mais sans le son, donc là je vais tout reprendre. Donc je peux vous montrer le résultat. C'est pour avoir la fameuse roue, hein, avec le système d'armes, un peu comme dans Far Cry. Et le fait de pouvoir mettre l'arme au niveau de la jambe dans un holster. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller charger la scène clean scène. Oui, de toute façon on va la refaire. Donc dans la scène clean scène, on va appliquer le canevas. Donc c'est ici. On va mettre ça dans les préfabs. Donc vous avez juste à le prendre et à le déplacer ici pour en faire un préfab. Donc bah là je l'ai déjà fait. Voilà. Ensuite on revient sur notre scène. Donc sur notre scène, ouais, je vais tout reprendre du début. Donc il y a là. Donc on va rechercher le canevas. Voilà, qui est ici. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'il vous montre pour les armes. On pourrait le créer nous-mêmes, hein, mais bon là on va garder celui qui est déjà existant. On va juste le modifier un peu. Donc vous avez les armes, les munitions, la vie, la fameuse roue des armes. Et des descriptions, donc bah, celle-là on peut la supprimer, c'est la description qui est juste là. Donc oui. La description comme quoi pour contrôler le cheval. Donc ça on n'en a pas besoin non plus, on peut l'enlever. Pour le reste, on va le laisser. Donc là la roue c'est fait, ça va extrêmement vite, hein. Ensuite, on va sur Marius. Donc le but, c'est qu'il n'ait pas d'arme au début. Donc déjà, on va l'enlever son arme. Je ne sais plus si on l'avait mis de base, hein, donc c'est ici, dans l'inventaire. On le supprime, donc il va commencer le jeu sans arme et il va aller chercher l'arme dans la boîte qui se trouve tout droit là, en face de lui. Donc l'arme, il va la poser au niveau d'un holster là, quand il l'aura, pour changer d'arme. Donc le holster, on va le mettre au niveau de la jambe droite. Donc vous allez dans l'architecture, hein, de Marius. Vous faites un clic droit, créer un empty. On va le poser vite fait, hein, il n'y a pas besoin, on va l'ajuster après. Voilà. Donc lui, on va l'appeler holster. Marius, j'ai maintenant pistol. Voilà, on retourne. Non, on va sur l'arme, pardon, le pistolet à la racine. Donc cela se trouve holster, voilà, vous l'avez là. Donc dans le shootable weapon, dans général option, holster target. Donc là, on prend le holster, on le met ici. Voilà, on peut faire lecture. Non, on va pas faire lecture. Je vais juste faire un truc avant. Je fais ceci pour pouvoir l'ajuster en direct en fait. Donc maintenant, donc là, oh, si je regarde le mauvais côté d'écran, ça va pas aller. Donc là, on prend l'arme. C'est quand tu veux. Voilà, donc il a l'arme sur lui. On fait tab pour changer d'arme. Voilà, et il a mis dans le holster qui se trouve ici. Bien sûr, il l'a très mal fait. Donc, on va mettre le jeu en pause. Non, on n'est pas obligé de le mettre en pause. Alors, voilà, on retourne dans la racine. Voilà, ici. On le modifie, donc on tourne avec E. W. Pour bouger selon les axes. Ça me
paraît pas trop mal. Après, sur votre personnage, vous pouvez créer directement un holster, hein, mais bon, en faisant comme ça, c'est tout aussi réaliste. On va pas le coller de trop, sinon ça va rentrer dans le corps du personnage. Pas plus haut, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Comme ça, il va bouger en même temps que la jambe droite, c'est pour ça que je l'ai mis sur la jambe droite, hein. Allez, c'est bon. Donc là, une fois que c'est bon, vous allez ici, vous faites copier le component. Vous remettez en lecture. On va voir le holster. Et là, vous faites sur le holster, vous faites on copie la valeur. Uniquement la valeur. Donc voilà. Là, on va tester. Il n'a pas d'arme pour l'instant, il a juste le point qu'on a fait juste avant. Il a l'arme dans la main. Donc avec la touche 1 ou 2, on peut changer. Ou sinon directement avec l'arbre à la roue.